Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nou mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui en ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste pour implorer assistance divine dans fausse prière. Alors que nous pouvons commencer avec chanel YouTube, ça, Seigneur, nous demandons un bon tour dans grâce infinie. Pour venir. Avec présence Saint-Esprit, ou venez de nous, nous travaillons ça que nous avons fait pour vous. Fait à chaque fois que nous avons force prière, tout ça qu'a fait pour ta gloire et pour ton honneur. Pardonnez péché, nous Dieu des cieux et remplis-nous de ton Saint-Esprit, en Jésus-Christ crucifié. Amen. Chers amis, frères et sœurs, laissez-nous partager chanel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation monde ça. Pas négliger, fait ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe notre channel Force Prière. N'après mes channels, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous pouvons chanter le numéro 520 des hymnes et louanges. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des âmes en le courant, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Chers amis, frères et sœurs, on va continuer avec l'événement des derniers jours, le chapitre 9 intitulé « Les lois du dimanche » et sous-titre « Le défi de Satan à l'autorité de Dieu » page 127 et 128, paragraphe 429 à 431. Le défi de Satan à l'autorité de Dieu. Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Dieu fit le monde en six jours et il s'est reposé le septième, sanctifiant ce jour en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les générations successives. Mais l'homme de péché, s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pensa à changer les temps et les lois. Ce pouvoir prétendant prouver non seulement qu'il était l'égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de lui, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du septième. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la parole de Dieu, c'est ce que l'on appelle son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Pendant la dispensation chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité a fait du sabbat, prescrit par le quatrième commandement, l'objet de ses attaques toutes spéciales. Satan dit, « Je travaillerai à l'encontre des desseins de Dieu. Je donnerai à mes partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du septième jour. Ainsi, je montrerai au monde
que le jour sanctifié et béni de Dieu a été changé. Ce jour ne survivra pas dans l'esprit du peuple. J'en effacerai le souvenir. Je mettrai à la place un jour qui n'est pas authentifié par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Je conduirai ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placée sur le septième. C'était, chers amis, frères et sœurs, événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 520. Le jour viendra, nous serons l'année où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus. Don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons passer à la lecture de la Bible. Et je dis à nous pourrons lire 1 Chronique, chapitre 23, 24 et 25. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous pourrons baisser tête nous légèrement pour un coup de prière. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous baissons tête nous bien bas devant face bénie pour implorer assistance divine, nous, dans force prière. Alors que nous allons commencer avec la lecture de la Bible, nous demandons autant pour Papa, viens assister nous avec Saint-Esprit. Aidez-nous pour toute bagaille toujours passer bien, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, venez aider nous dans la lecture, ça fait nous comprendre. Et tout le monde qui attend des forces prières, il faut comprendre et appliquer parole, belle parole, ça, yo. Dans la vie quotidienne, le Seigneur. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Chronique, chapitre 23. Les Lévites, leur dénombrement et leur fonction. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi: Gershon, Kehath et Merari, des Gershonites, Lahudan et Shimei, fils de Lahudan, le chef Jehiel, Zetam et Joël, trois fils de Shimei, Shelomith, Haziel et Haran, trois. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Lahudan. Fils de Shimei, Jashast, Zina, Jeush et Beria. Ce sont là les quatre fils de Shimei. Jashast était le chef et Zina le second Jéhu.
et Beria n'eurent pas beaucoup de fils. Et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehath, Amram, Jitsehor, Hébron et Uziel. 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils, à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershon, et Eliezer, fils de Gershon, Shebuel, le chef et les fils d'Eliezer furent Rechabia. Le chef Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rechabia furent très nombreux. Fils de Jitsehor, Shelomite, le chef, fils d'Hébron, Jericha, le chef Amaria, le second Jacaziel, le troisième, et Jecameam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le second. Fils de Merari, Machil et Mushi, fils de Machli, Éliazar et Kis. Éliazar mourut sans avoir de fils, mais il y eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leur frère. Fils de Mushi, Machli, Éder et Jérémoth, toi. Ce sont là les fils de Lévi. Selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête, ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel. Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres de la purification, de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur, de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits. De toutes les mesures de capacité et de longueur, ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils
d'Aaron, leur frère, pour le service de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. En Chronique, chapitre 24. Les sacrificateurs distribuaient en 24 classes les chefs des classes des Lévites. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar. Et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort les uns avec les autres. Car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaïja, fils de Nathanaël, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiathar, et devant les chefs des maisons paternelles. Les sacrificateurs et des Lévites on tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jehojarib, le second à Jadaïja, le troisième à Harim, le quatrième à Seorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamine, le septième à Hakkor, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Upa, le quatorzième à Jeshebuab, le quinzième à Birga, le seizième à Imer, le 17e à Ezir, le 18e à Apiset, le 19e à Petachja, le 20e à Ézéchiel, le 28e à Jaquin, le 22e à Gamul, le 23e à Delaja, le 24e à Mahazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubael, des fils de Shubael, Jeshdia,
de Rechabia, les fils de Rechabia, le chef Jishija, des Jits, ce Shaharit, Shelomot, des fils de Shelomot, Jashat, fils d'Hébron, Jericha, Amaria, le second Jacaziel, le troisième Jecaméam, le quatrième fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Chamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie, fils de Merari, Machli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils, fils de Merari, de Jaazia, son fils Shoham, Zakur et Ibri, de Machli, Eliezer qui n'eut point de fils, de Kis, les fils de Kis, je Rachmel, fils de Mushi, Machli, Eder et Jerimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, eux aussi comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David. Sadoc et Achimélec et les chefs des maisons paternelle, des sacrificateurs et des lévites, il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères. Amen. Amen. 1 Chroniques chapitre 25. David, 1 Chroniques chapitre 25. Les chantres distribués en 24 classes. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Imam et de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Asharela. Fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jeduthun, les fils de Jeduthun, Guéri et Guédalia, Seri, Esaïe, Achabia, Matitia et Shimei. Six sous la direction de leur père, Jeduthun, qui prophétisait avec la robe pour louer et célébrer l'Éternel. Amen. Des membres, les fils des membres, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jerimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Womanti, Ezer, Josh, Bikasha, Maloti, Hotir, Makazio, tout fils d'Aiman qui était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aiman 14 fils et 3 filles. Amen. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi.
Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au champ de l'Éternel. Tous ceux qui étaient habiles, ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Assa, à Joseph, le second à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12, le troisième à Zakur, ses fils et ses frères, 12, le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères, 12, le cinquième à Netania, ses fils et ses frères, 12, le sixième à Bukija, ses fils et ses frères, 12, le septième à Jesareyala, ses fils et ses frères, 12, le huitième à Esaïe, ses fils et ses frères, 12, le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, 12, le dixième à Shimei, ses fils et ses frères, 12, le onzième à Azareel, ses fils et ses frères, 12, le douzième à Hashabia, ses fils et ses frères, 12, le treizième à Shubael, ses fils et ses frères, 12, le quatorzième à Matthia, ses fils et ses frères, 12, le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12, le seizième à Hanania, ses fils et ses frères, 12, le dix-septième à Josh-be-Kacha, ses fils et ses frères, 12, le dix-huitième à Hanani, ses fils et ses frères, 12, le dix-neuvième à Maloti, ses fils et ses frères, 12, le vingtième à Elijata, ses fils et ses frères, 12, le vingt et unième à Hotir, ses fils et ses frères, 12, le vingt deuxième à Guidalti, ses fils et ses frères, 12, le vingt troisième à Machaziot, ses fils et ses frères, 12, le vingt quatrième à Omanti Ezer, ses fils et ses frères, 12. Amen. 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 Chronique, chapitre 23. David était fin de vivre grand monde. Il était fin de vivre contre lui. Le limite de Salomon, petit lien, roi super Israël. Il réunit tout chef de Israël, tout prêtre, et tout le monde lévi. Il fait compter tout le monde lévi. Depuis ça qui a 30 ans, pour plus petit river sur ça qui est plus grand. En tout, il y a 38 000 garçons. David mettait 24 000 pour diriger le travail temple, 6 000 pour écrire tout ça qui a passé pour rendre justice. 4 000 pour faire poste dans le portail, à 4 000 pour faire loin, Seigneur, avec instrument musique. David te fait pour ça. David sépare le monde. Les vieux font trois groupes. Après, branche famille, petit garçon, les vieux. Gershon,
Keyat ak Merari. Gesson te gen de petit garçon. Naïdan ak Chimeyi. Naïdan te fait trois petits garçons. Et qui est le plus grand, c'est Tam ak Joël. Chimeyi te fait trois petits garçons tout. Chimit, Aziel ak Aran. C'est yo qui te chef famille moun le dan yo. La y dan yo. Chimeyi te gen quatre autres petits garçons. Jaka, Ziza, Jewouche, Aka Beria. Jaka qui te plus grand. Ziza te deuxième petit là. Jewouche. Ak Beria pas gen an pil piti. C'est comme ça, yo mette yo ensemble. Yo passe pour yo sel branche famille. Keyan te gen quatre petit. Amram, Jizeya, Ebon, Akouzian. Amram te gen de petit garçon, Aaron ak Moïse. Bon Dieu te mette à Aaron ak piti, ki yo a pa pou yo okipe pièce ki a pa net pou bon Dieu ya. Pour les lancer devant Seigneur, pour servir, pour bénir peuple là non. C'est des travail pa yo ça pour tout temps. Moïse c'est mon bon Dieu à même. Il yo fait partie branche famille Lévi à tout. Moïse te gen des petits garçons, Gershon à Eliezer. Mes petits Gershon nan te rele Shebuel. Eliezer li même te gen Rekabia ou premier petit. Il va faire l'autre petit garçon encore. Mais Rekabia te fait un petit. Premier petit Jizeya te rele Shelomit. Mais petit et bon yo premier qui rele Jerisha. Deuxième nan Amaria. Troisième nan rele Jacaziel. Quatrième nan Jekamiam. Mais petit Oziel yo Miché premier Akjitija. Deuxième nan. Mais on dit que des petits garçons Makli ak Mouchi. Makli te gen de petit garçon. Eliasa ak Kish. Eliasa mouri sa ki te petit garçon. Petit fiase li te gen. Yo marié ak cousin yo. Petit garçon Kish yo. Mouchi te gen trois petit garçon. Makli et de ak Jerimot. C'est tout moun nan ras Levi yo sa. D'après la famille yo. Qui te gen non yo couché nan registre pou chef famille. Yo chaque te gen travail pa yo nan service ka seye ya. Et puis ça qui gen 20 ans pou pi piti rive sou pi grand yo. David te di, Seigneur, bon Dieu pep Israël la, te fè pep ya viv a ke pose. Li même, Seigneur ya, t'as toujours été la ville Jérusalem. Pour ça, on l'a vu, pas n'importe quel rendez-vous, Seigneur, encore ensemble à tout bagage, yo besoin pour faire service pour lui encore. C'est comme ça. D'après dernière parole, ça, yo David dit, laisse ça, yo inscrit tout mon levi yo depuis ça qui vient 20 ans pour plus petit river sous plus grand yo. Travail yo c'est des prêts yo. Et c'est là où yo dans service à faire dans temps Seigneur ya. C'est yo qui pour occuper la cour yo à toute pièce dans temple. C'est yo qui pour veiller pour toute bagaille rester dans condition pour faire service bon Dieu ya. C'est yo qui responsable tout l'autre service dans temple. Yo te responsable pour yo te fait offrir by bon Dieu yo. Farine France yo servi pour faire offrande yo
pain sans lait vin yo offrant farine mélangée à huile yo c'est yo qui était responsable pèse ak mesi offrant dans temple c'est fini c'est pour yo là dans temple là chaque jour dans matin ak dans aswe pour yo di bon Dieu merci pour faire louange pour lui. C'est pour yo la tout, les y a fait offrande pour yo boule, ne pour se yé ya, jure pour yo. Premier jour chaque mois yo, ap pour l'autre jour fête yo. Et gen règlement qui te bay travail moun levi yo, gen pour yo fait, ap quantité moun qui pour faire chaque travail. C'était responsabilité yo, pour yo te toujours en service yé ya. C'est yo même tout qui te responsable, occupé tant. Rendez-vous à côté yo mette à part pour Seigneur ya après yo parmi yo qui sorti dans branche famille Aaron et ya servi dans temple là amen. Amen. Et Chronique chapitre 24 travail près yo mais moun qui te sorti dans branche famille Aaron d'après travail yo Aaron te gen petit garçon Nadab, Abiyou, Eliasa, Akitapa. Mais Nadab ak Abiyou mouri avant papa yo sans quitter petit garçon. Comme ça, c'est Eliasa Akitama qui vin près après Aaron. Avec ton cousin Doc, mon famille Eliasa. Ataki Melek, mon famille Itama. Roi David séparé moun famille Aaron yo en groupe. Chaque groupe te gen travail pa yo. Mais le yo jwenn te gen plis garçon chef famille nan moun Eliasa yo passé nan moun Itama yo. Yo organisé 16 groupe nan moun Eliasa yo ak 8 groupe nan moun Itama yo. Nan tout des familles yo te dit moun ki te chef nan temple ak chef pou fè service bon Dieu chaque on te gen pou pa yo yo te fè yo piye pou yo te ka konnen tout chaque moun c'est comme ça chez maja petite neta neyel yon nan moun levi yo ki te sekretè et pour chez non yo le registre devant roi devant chef yo devant Zadok prêtre là devant Akimelek petite Abiata ak devant tout chef famille prêtre yo ak un Lévi yo yo prié yon après l'autre des mon Eliasan au chaque yo mon Itama mais nan ki l'autre 24 groupe yo te sorti Lè yo fin piye. Je yo Yarib sorti premier. Je Daja deuxième. Arim troisième. Se yo Rim quatrième. Malkija cinquième. Mishami sixième. Akoz septième. Abisha huitième. Jezoua neuvième. Shekania 10e. Eliakib 11e. Yakim 12e. Poupa 13e. Jeke Beab 14e. Bilga 15e. Ime 16e. Iezi 17e. Apizez 18e. Petajan 19e. Ézéchiel 20e. Jacques 21e. Gamoul 22e. Delaya 23e. Mazia 24e. C'est comme ça yo te inscrit non moun sa yo nan jan pou yo te al nan temple pour faire travail yo yon après l'autre. Jean a 11 ans, c'est yo, te metel pou yo fè la, d'après l'autre Seigneur, bon te pep Israël la, te bay. Lis non moun Lévi yo. Men non, l'autre chef famille qui sorti, nan famille Lévi ya, c'était Shubael.
nan fami Amran. Jedeya nan fami Jubael. Mishia nan fami Rekabia. C'est lui qui était pigre. Tegi Shemelot. Nan fami Jizeya. Jaat nan fami Che Lomot. Nan fami Ebouan Tegi Jerija. Pigran. Amaria deuxième nan. Jaziziel troisième nan. Ante Jeka Meyam quatrième nan. Tegi tou Miché. Petit garçon Ouziel. Chami, petit garçon Miché. Jikijan, frère Miché. Zakari, petit garçon Jikijan. Makli a Mouchi, petit garçon Merari. Petit garçon Jaziayo, qui était petit Merari. Dans la famille Merari, Jazia, petit li, te gè trois petit garçon. Choam, Sakou, a Ibri. Makli te gè de petit garçon, Eliaza ki pa gè petit garçon. A Kish, ki te papa, Gérard Meyel. Mouchi te gè trois garçon. Makli, Edè, a Jérimot. Te tout famille Lévi yo sa, d'après nos ancêtres yo. Tant que mon famille Aaron yo, yo même tout yo pié devant roi David, devant Zadok à Akimelek. Devant chef famille prêtre yo à un Lévi yo. Yo séparé travail là by chaque monde pa yo. Depuis sous famille chef yo rivé sous famille pipiti là-dedans yo sans parti pris. Amen. Amen. En Chronique chapitre 25. Musicien complant. Après ça, roi David ak chef moun Lévi qui responsable service dans temple, te choisi branche famille Asaf. Branche famille Eyman ak branche famille Jedutun. Pour ba yo travail pour yo, c'est yo qui pour ba mais ça y bon Dieu yo en un y a joué guitare bon Dieu a ses balles mais les moun yo te choisi yo a travail yo chat Asaf te gen quatre piti Zakou Joseph et Tama Acha Rela yo te sous zo Asaf c'est lui qui te kon fè konnen mesay bon Dieu yo chak le wa mandel pou fèl. Jedutun te gen six piti. Gedalia, Zeri, Isaïe, Shimei, Azabia, ak Matatia. Te sou zòd Jedutun. Papa yo, se yo ki te kon fè konè, me say bon Dje yo, an tan yap jwe gita. Ou fè louange bon Dje, ou dil mèsi. Eyman, te gè 14 piti. Boukija, Matania, Ouziel, Sebuel, Jerimot, Anania, Anani, Eliata, Gedalti, Romanti Eze, Josan Bekasha, Maloti, Oti, ak Majiot. Bote te bay Eyman, profet wa, 14 petit garçon sa yo, ak 3 petit fi, d'après promesse de te fel, pour te ba li en pile pouvoir. Le yo ta fè konè mesay bon Dje yo, se yo ki te pou konè pompèt yo. Se Eyman, papa yo ki tap dirije yo.
Les yon chante dans le service, yon fait dans le temps bon Dieu, en temps yon joué guitare, banjo à cymbal. En sens, j'ai doutoun à aimant et sous zone ça te fait en tout 288 musiciens qui étaient forts dans faire musique. Ensemble à tout le monde, les vies pareilles, qui étaient apprendre à chanter pour ces gars-là. Ils ont fait tout le monde prier, grand ou petit. Ni ça qui était fort dans faire musique, ni ça qui était fait commencer à apprendre. Pour yo, te ka konne, le yo, le pou yo fait travail yo nan service la. 288 messieurs sa yo, te separe chaque famille à part. Ça te fait 24 groupes. Chaque groupe te gen 12 moun. Nan chaque groupe te gen yon chef ak petit garçon yo, ensemble ak frère yo. Mais nan ki lòd yo te sorti après yo fin piye a. Premier, c'est Joseph. La famille Asaf là. Deuxième nan, Gedalia. Troisième nan, Zakou. Quatrième nan, Zizgri. Cinquième nan, Betania. Sixième nan, Boukia. Septième nan, Acharela. Huitième nan, Isaïe. Neuvième nan, Matania. Dixième nan, Chimeyi, 11e nan Azareel, 12e nan Achabia, 13e nan Choubael, 14e nan Matatia, 15e nan Jérimoth, 16e nan Anania, 17e nan Josbekacha, 18e nan Anani, 19e nan Malotchi, 20e nan Eliata, 21e nan Otsi, 22e nan Gildati, 23e nan Majiot, 24e nan Romanti et c'est Amen. Mes amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière avec notre sœur Elsie Baoulette. Mais avant nous faire ça, nous voulons chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre, je te livre. Mon cœur avec son péché. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, le nom de Jésus est si doux. Oui, c'est sacré que chaque jour, nous prenons ça comme support, non. Le nous dans moment de détresse, le nous pas ouais devant, nous pas ouais derrière, c'est non ça que nous relais Jésus. Et avec non ça, les retirer nous n'en pile de chargé. Seigneur, mais nous-mêmes qui n'en force prière, qui venons chaque jour n'a distribué parole ça qui dans Bible. Côté que nous finissons, Seigneur, côté David, t'es divisé et famille nan yo, pour t'es capable de servir, pour t'es capable de faire service. Seigneur, nous-mêmes, nous voulons faire service avec l'ordre. Nous disons merci de ce que vous faites, nous, les paroles, ça yo. Nous disons merci parce que, Seigneur, ou son bon Dieu qui grand, ou son bon Dieu qui vivant. Et que tant pour capable respecter, capable de bien vivre dans notre temps pour Seigneur. Je dis à nous demander où, tant ça, que nous gagnons nous-mêmes, Seigneur, nous demander où que tant ça,
capable pur et fait que nous capable prier dans pied ou pour chaque petite nous yo chaque enfant nous yo et que capable comprendre pour préparer vie parce que corps nous c'est temple saint esprit a mais n'a prier là seigneur lever toute maladie devant tout monde qui pas prendre bible là qui pas capable lever aveugle devant lever monde qui pas capable joindre côté pour rester lever seigneur toute jeune qui pas gagné maman qui pas gagné papa qui est orphelin lever seigneur tout un vieillard yo qui pas gagné monde pour occuper lever au devant papa t'en prie t'en écris prier nous mais nous Haïti oui devant Haïti Haïti pays ça que vous t'es fait à côté bail haïtien t'en prie dis un mot pour nous dis un mot un seul mot il suffit seigneur nous la guerre Haïti dans mer nous la guerre Haïti pays n'a vivre là dans mer nous la guerre tout monde qui ont problème dans mer nous la guerre et tout pauvres qui dans la rue, ils n'ont pas de côté priorité. Ou à Baba, ils ont côté priorité. Pendant que nous avons prié là, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin. Nous demandons ou à faire un vol de face, ils vont venir nous joindre. Nous demandons ou à Baba, au Saint-Esprit, ils vont venir nous joindre. Pardonnez tout péché que nous faisons. Pardonnez petit nous, pardonnez sans minou, pardonnez nous, Seigneur, afin que nous soyons capables de préparer pour nous aller dans le ciel. Jésus a vini bientôt. Ou a vini bientôt. En prie. Tout pouvoir, c'est dans mon lié. Aidez-nous pour nous capables toujours être dans la lecture de la Bible. Pour nous capables comprendre la parole là que nous lions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus. 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 Victoire au nom de 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 Jésus. Victoire et la délivrance, guérison, le bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour nous chaque qui souligne, pour chaque grand haïtien et pour chaque monde qui parle dans des fausses prières. Amen. Amen. Zanmi myo, fwè ak sè myo, pèp k ap prepare pou siel la, compatriote ayisyen nou yo. Mèsi infiniment paske nou te pran tan pou priye et li la Bib nou avèk chanèl YouTube Fòs Priye. Pa bliye, priye bay puissance, priye bay victoire, priye bay pouvoir, priye bay force, priye aproche nou plus près du Créateur et priye se yon clé ki ouvri tout porte et avec force priye n'a pas accompli tout ça. Zanmi myo, frè ayisyen compatriote nou yo, nou pralé, men ap kite nou sou attention, affection, direction et protection. Papa nou ki nan siel la, le tout puissant ki pap jam liye nou. Sous ça, zanmi myo, frèm sèm yo, n'a di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.